ils ont plein de trucs différents de chez nous ici. C'est un peu normal. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Sans d'attaque, Noct. Finissons-en. Bravo. On continue comme ça. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. En avant! T'as jamais dit que la meilleure défense, c'était l'attaque! Allez, on enchaîne. Vous avez décidé quoi pour la destination suivante? Rien tant que la voiture n'est pas réparée. Ensuite, baie de Galdina. Et une fois là-bas, on prendra un bateau. Comme ça, le playboy ici présent pourra enfin se marier. Ah, je vois. D'abord les joies du carénage et ensuite les joies du mariage. Donnez tout ce que vous avez. Allez, on y est presque. Qui essaie de nous tuer? J'ai pas fait exprès! Ok, mission accomplie. Tiens, qui appelle? Allô? Salut, c'est Cindy. La chasse se passe bien? Salut, ouais, on a fini. Ça tombe bien. J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave. Et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Cindy? On doit retrouver un certain Dave. Il a disparu dans la nature? Ouais. On raconte qu'il se cache dans une cabane. D'aller faire un tour au nord. Une tranchée de cicatrices. C'est pas un peu risqué comme quoi? Pas si on est bien préparé. Un message? Note! Oh, bien pressé! Est-ce que tout va bien? Maintenant, oui. Ne parle pas trop vite.
Je suis pas fan des garçons. Regardez, qu'est-ce que vous dites de cette cabane? Attends une minute. J'ai un plan. C'est quoi ce truc-là? Cet animal est un Taoti. Il empale ses proies avec ses défenses afin de les extraire du confort de leur terrier. Ah ouais, c'est trop bien, ça. Sortez-vous. Alors c'est toi, Dave le chasseur? On te cherchait. Ça va aller? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Ah. Les monstres étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit? Ok. On s'occupe du problème. Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Prêt pour la baston? Chasseur ou pas, on va lui montrer de quoi on est capable. Je chasse les bicornes depuis des lustres, mais j'en avais jamais vu avec des cornes rouges. Les nuits sont de plus en plus longues. Ça provoque peut-être des changements chez les monstres. Ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille.
Ok. Mais il faut qu'on trouve un lieu où camper. Heureusement que le clan des chasseurs est là pour protéger les civils. En fait, ils sont presque comme nos patrouilles de police. C'est une organisation indépendante. Mais ils ont un peu le même rôle. En tout cas, ils sont bien plus entraînés au combat que chez nous. En comparaison, je sais pas trop si je mérite l'uniforme de garde royale. Parce que tu crois qu'on t'en aurait fait un spécial si tu le méritais pas ? T'as même un insigne qui prouve ta valeur. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir un uniforme personnalisé de la garde royale. Porte-le fièrement. Si on pourra un jour remonter dans cette magnifique voiture. Ouais, c'était bien d'être assis toute la journée. Et surtout de pouvoir faire la sieste. Marche, ça a ses limites. Surtout pour ceux qui ont grandi à la ville. Imaginez que vous marchez vers la voiture. J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Nous y sommes.
On s'arrête là pour aujourd'hui. Ok. C'est bon, je monte la tente. T'as appuyé pile au bon moment. Ah, mais comment j'assure quand je veux? Moi aussi, je veux me téléporter, c'est pas juste. Hein? Qu'est-ce que... Y a un truc bizarre? Non, rien. J'ai rêvé. Elle est quand même bien, hein? Depuis qu'ils sont revenus, c'est Sid qui s'est occupé d'elle tout seul. Elle n'est pas à mettre entre les mains du premier venu. Ça doit pas être simple. Il a fait du bon boulot. C'est une beauté. Elle mérite d'être bien traitée. T'as intérêt. Enfin, si tu veux pas que Sid t'envoie à la casse. Prends soin de la voiture et elle prendra soin de nous. Ouais, la voiture. Un peu de repos. Ah.
Ça me tentait pas trop de camper, mais la nourriture est super. Tu m'envoies ravi. Sérieux, Ignis, t'es trop fort. Si t'étais pas là, je sais pas ce qu'on mangerait. En cas de besoin, il y a toujours des cup noodles. Tu peux pas t'en passer, hein, c'est dingue ça. Bah quoi, toi aussi t'aimes bien ça, non? Ouais, alors. Mais quand tu seras marié, ce sera fini pour toi tout ça. Ah ça, tu ne pourras plus faire ton difficile. Faudra pas sauter le dîner pour ensuite aller te faire des nouilles instantanées en pleine nuit, hein. Ouais, j'essaierai de faire un effort.